Le Familistère de Guise, dans le département de l'Aisne, à quelques kilomètres de la Belgique. Une expérience unique d'architecture utopiste menée en France durant la seconde moitié du 19e siècle, sous le Second Empire. Le Familistère fut une véritable cité habitée par plus d'un millier de personnes. Il offrait à une population ouvrière non seulement le confort de quelques 300 logements, mais aussi un ensemble de services exceptionnels pour l'époque. Sa renommée internationale lui valut la visite de Zola, d'Hector Malot, les commentaires de Engels. Aujourd'hui, le Familistère est toujours habité par quelques 700 personnes. En 1859, la révolution industrielle a jeté sur les routes des millions de personnes. Une nouvelle classe sociale, le prolétariat, vit partout dans des conditions d'insalubrité effroyables. La question du logement ouvrier fait son apparition. La plupart des cités ouvrières sont des initiatives privées. Les patrons ont tout intérêt à retenir près de leurs fabriques une main-d'œuvre encore vagabonde. Le fondateur du Familistère, Jean-Baptiste André Godin, n'est pas un industriel comme les autres. Cet ancien artisan serrurier, né dans la région en 1817, doit sa fortune à l'invention d'un poêle auquel il a donné son nom. L'usine débute en 1846 avec 30 ouvriers. 10 ans plus tard, ils sont 330. Une population rurale, recrutée sur place, et pour laquelle, comme partout ailleurs, aucune habitation ouvrière n'existe encore. Godin, qui n'a pas oublié la misère de son propre compagnonnage, s'est juré d'améliorer leur sort. Godin a acquis un terrain de 6 hectares, niché dans une boucle de l'Oise. Les travailleurs n'auront qu'un pont à traverser pour rentrer chez eux. La façade du Familistère donne sur la ville, l'arrière sur la campagne. Pour réaliser son projet, l'industriel se transforme en architecte. Godin trace lui-même le plan de sa cité. Pas de geste architectural, mais un programme, comme un catalogue de poêles avec son mode d'emploi. Le principe des habitations est simple. 3 parallélogrammes reliés entre eux par des passages. Au centre de chaque édifice, une vaste cour recouverte par une verrière. Chaque bâtiment représente une unité d'habitation autonome, ce qui permet à Godin d'étaler la construction dans le temps. L'aile gauche et le bâtiment central sont aujourd'hui encore dans leur état initial. L'aile droite a été reconstruite en 1923, bien après la mort de Godin, mais dans un style différent. Pavillon d'angle, rotonde, tourne le dos à la simplicité du bâtiment d'origine. La vieille ville de Guise regarde surgir d'un mauvais œil cette cité qui la défie et qu'elle surnomme le tas de briques. Le Familistère lui fait concurrence. Appartements et magasins y sont moins chers, autant de clients perdus pour elle. Comme toute la bourgeoisie, elle dénonce aussi dans cette concentration de familles ouvrières un danger pour la tranquillité publique, un foyer de sédition. Pour Godin, au contraire, l'habitat collectif est le logement des temps nouveaux. Il offre au plus grand nombre des services inaccessibles autrement, ce que Godin appelle les équivalents de la richesse.
L'idéal du progrès, dit-il, doit s'incarner dans une forme architecturale supérieure qui serait aux petites maisons ce que la grande usine est au petit atelier. Derrière tous ces principes, il y a une idéologie. Gaudin est aussi un militant politique. Il a découvert dans sa jeunesse, à travers un article du Guetteur de Saint-Quentin, la pensée de Charles Fourier, mort en 1837, une des grandes figures de ceux que Marx a qualifiés de socialistes utopistes. Fourier a imaginé un nouvel ordre social, dont la base est une petite communauté de personnes qui travaillent et vivent ensemble dans un même bâtiment, le phalanstère. Le phalanstère doit surpasser la demeure des rois, et le plus beau des palais alors, c'est Versailles. Fourier semble s'en être inspiré en reprenant cette disposition d'un bâtiment central flanqué d'ailes qui délimite une place de parade. Dans son premier dessin, Gaudin reprend ses dispositions classiques. Un clocheton rappelle le château, mais finalement Gaudin le fera dériver vers un motif régional qu'on retrouve dans toutes les Flandres, le pignon en pas de moineau. 1865, la dernière aile n'est pas encore construite. Mais c'est bien un palais que les visiteurs viennent admirer à Guise. Des portails, un mur d'enceinte soulignent le domaine. À côté, les économats, qui regroupent les magasins et les écuries du familistère, font figure de ferme du château. Mais ce palais-là n'est pas destiné au seul roi. À l'intérieur, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Ouvriers, ingénieurs et jusqu'au patron, tous habiteront là ensemble, dans le palais social. Le familistère est construit en briques, le matériau traditionnel de la région. L'enduit blanc qui recouvrait les premiers bâtiments a vite disparu. Reste la modénature, le jeu sur le relief des matériaux qui est soigné tout en restant rudimentaire. Sur le théâtre et les écoles, Gaudin invente un autre jeu avec la brique. Un motif aujourd'hui effacé, une sorte de décoration avec les moyens du bord. En jouant uniquement sur la couleur des joints, rouge et blanc, il parvient à créer un genre de résille, un dessin qui rappelle les alvéoles de la ruche. Fourier comparait les habitants du phalanstère à un essaim d'abeilles. Gaudin a adopté la ruche comme emblème de sa cité. Il ôte cependant de son phalanstère ce que Fourier appelait la quatrième roue du carrosse. Un nouvel ordre amoureux où les relations sont libres. Ici, les appartements sont destinés aux familles, comme l'indique bien le nom dont Gaudin a baptisé son phalanstère, familistère. Une fois dépouillée de sa façade, la structure de l'habitation collective rappelle étrangement nos immeubles modernes. Des étages empilés les uns sur les autres, séparés par une série de parois coupe-feu de 10 mètres en 10 mètres, qui délimitent un espace de base pour deux appartements. Le concept des appartements est simple. Un même vestibule dessert deux appartements. Chaque appartement est composé de deux grandes pièces en enfilade. Chaque pièce fait environ 20 mètres carrés, 4 mètres de large sur 5 mètres de long, avec une belle hauteur sous plafond, environ 3 mètres. De beaux volumes donc, mais pour Gaudin, le vrai luxe en termes d'espace, c'est de pouvoir prévoir deux emplacements différents pour les meubles. L'espace qui prolonge le vestibule est redistribué en dégagement à usage de rangement, pouvant également servir de cabinet de toilette. Tous les appartements sont extensibles, du 2 pièces au 6 pièces, à chacun selon ses besoins et ses moyens. Aujourd'hui, la moyenne des appartements est de 4 pièces.
tiendrai bon. Marianne, je tiendrai bon. Godin encourage la mobilité des locataires. Un jeune ménage sans enfant, écrit-il, se trouvera plus convenablement logé dans une seule pièce qu'il ne le sera dans plusieurs lorsque la famille se sera agrandie. Mais lorsque les enfants se seront mariés, le logement pourra alors se restreindre au lieu de s'augmenter, et cela dans des proportions inverses. Pour l'organisation des circulations intérieures, Godin s'inspire des seuls bâtiments monumentaux destinés au peuple jusque-là. Les hôpitaux, les casernes. Pas d'escalier spectaculaire de palais, mais quatre cages d'escalier en retrait, aux angles de la cour, la position la plus fonctionnelle qui permet de garder la lumière et l'espace de la cour pour la vie commune. Godin dessine des escaliers semi-circulaires, forme préférable à tout autre, explique-t-il, car c'est la plus commode pour tous les âges de la population. Du côté de la rampe, le jeune enfant trouve les marches étroites qu'il gravit en se tenant aux barreaux. Et les grandes personnes du côté opposé trouvent ces marches plus larges et plus convenables pour leurs pas. La circulation horizontale est réglée par des galeries. Celles-ci ont une largeur de 1,30 m, de telle sorte qu'on puisse s'y croiser sans gêne, sans toutefois nuire à la lumière des appartements de l'étage inférieur. Ces rues-galeries sont inspirées par Fourier. Elles permettent d'accéder aux appartements et sont conçues comme des rues intérieures, protégées des intempéries en toute saison et favorisant les rencontres. Les détracteurs de l'habitat collectif dénoncent d'ailleurs dans cette architecture ouverte une promiscuité de nature à favoriser des rencontres funestes aux mœurs. Au centre de chaque unité d'habitation, la grande cour, couverte d'une verrière, joue le rôle d'une véritable place du village, le lieu où toutes les rencontres convergent. Au rez-de-chaussée de ces cours se trouvaient à l'origine des boutiques, un café, une bibliothèque, des bains. Les familistériens menaient ainsi une vie sociale tout en restant entre eux dans cet espace protégé. Expérimentalisme et pragmatisme marquent toute l'œuvre de Godin. À une époque qui consacre l'architecture du fer, Godin construit sa charpente en bois. 40 mètres sur 20, près de 1000 mètres carrés de verre reposant sur une structure traditionnelle, une prouesse technique. Le grand espace de la cour est aussi un espace de fête. C'est là que se tiennent les grandes cérémonies annuelles destinées à renforcer chez les habitants leur sentiment d'appartenance à une élite. Les balustrades transforment les galeries en balcons, écrit Godin, pour un spectacle grandiose et bien propre à faire comprendre aux sociétaires la distance qui les sépare de l'état d'abandon où ils se trouvaient naguère dans la maison isolée. Au palais social, la population ouvrière, sans sortir de chez elle, se donne le spectacle des honneurs qui lui sont dus. La fête finie, reste à regarder ce que font les voisins. C'est l'autre versant de l'expérience collective. La surveillance. Le fait principal de l'ordre et de la bonne conduite au familistère, explique Godin, c'est que la vie de chacun y est à découvert.
Ici, la régulation des comportements se fait par la pression du regard. Vu sous cet angle, la cour et ses coursives évoquent un autre grand type d'architecture collective, la prison. Ceux qui enfreignent le règlement du familistère sont dénoncés par les autres, mis à l'amende et en cas de récidive, leurs noms sont affichés sur un tableau avec exposé de l'infraction. Madame Choquenet est mise à l'amende de 50 centimes pour avoir installé des chaises sur le balcon du troisième étage et avoir étendu du linge dessus. Le sieur Ribaud, Eugène, est mis à l'amende de 1 franc pour avoir uriné contre les murs du familistère. Une amende de 50 centimes lui est rajoutée pour avoir déchiré la première affiche. Le nommé Varocco est à 10 francs d'amende pour avoir logé le nommé Paudry Jules, expulsé du familistère. Les irréductibles sont renvoyés. L'habitat collectif, tel que le conçoit Godin, est inséparable de ce qu'on appelle aujourd'hui les équipements. Il mettra 20 ans à construire sa cité. 1859, premier bâtiment d'habitation. 1865, le second, avec à l'arrière la crèche appelée Pouponna. Puis les économas, les magasins du familistère, avec basse-cour et écurie. Le potager est à l'arrière. 1869, les écoles et le théâtre. 1870, le lavoir et la piscine. Enfin, en 1879, la dernière aile des habitations est érigée, 13 ans après le bâtiment central. L'organisation d'une telle cité fait de Godin un des pionniers de l'urbanisme moderne. Fourier avait prévu une église pour son phalanstère. Godin remplace celle-ci par un théâtre qu'il place en face des habitations. Ce théâtre est dans son esprit comme la fabrique de son homme nouveau, le familistérien. Cette architecture-là n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de l'usine, malgré une modénature soignée. L'harmonie du familistère répète dans le théâtre. Les enfants méritants y jouent la comédie. Mais Godin précise bien que cet endroit est celui des jouissances moralisatrices. Tel un prédicateur, il donne chaque dimanche des conférences de morale auxquelles les familistériens sont conviés. Il se plaint du manque d'affluence. Pourtant, il faut éduquer le peuple qui n'est encore qu'un grand enfant. Ce n'est donc pas un hasard si le théâtre est flanqué des écoles, tel le grand atelier des adultes entouré des petits ateliers des enfants. À l'arrière du bâtiment d'habitation centrale, on trouvait aussi le Pouponna, aujourd'hui disparu, le plus petit des ateliers, encore relié, comme par un cordon ombilical, au bâtiment mère. Ainsi, crèche, école, théâtre constituent comme un axe éducatif qui traverse le centre de la cité. Godin pense à tout, règle tout, jusqu'aux détails les plus infimes de la vie quotidienne. Il dessine le mobilier du Pouponna et des écoles, dont il définit avec une précision de maniaque la série de mesures. Le corps humain apparaît comme un étalon. Longueur des deux avant-bras réunis, les mains jointes entre les pouces et appliquées contre la poitrine. Hauteur de la jambe du sol au jarret, augmentée de 2 cm pour la chaussure jusqu'à la taille de 1,23 m et de 3 cm ensuite.
hauteur du torse, de dessus le banc où l'élève est assis, jusqu'au-dessus de l'épaule, l'élève ayant les bras tendus en croix. Dans ce pragmatisme poussé à l'extrême, c'est l'utopie qui réapparaît. L'utopie d'un monde totalement mesurable, calculable, réductible à un ordre mathématique. Et pourtant, pour Godin, l'architecture doit être au service des hommes. Au Familistère, tous les appartements sont traversants, éclairés et ventilés par de grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur et sur la cour. Car pour Godin, la clarté répandue partout dans l'habitation est le signal du progrès intellectuel et moral des générations qui vont renaître à la nouvelle lumière sociale. La lumière doit donc pénétrer partout, du grenier à la cave. Sous la cour, la réserve des économas est éclairée au moyen d'un quadrillage de grilles. Éviter l'effet de serre sous la verrière est une autre gageure que Godin relève. Il invente et réussit un système de climatisation avant l'heure, simple et entièrement naturel, réalisant ainsi le rêve de Fourier d'un espace tempéré toute l'année. L'air pénètre dans la cave au moyen de grands soupiraux où il constitue une réserve d'air frais en été, tiède en hiver. Il est ensuite redistribué dans la cour par des soupiraux latéraux. Des ouvertures dans la verrière créent un appel d'air permanent. Autre invention moins spectaculaire, mais promise à une grande postérité, la trappe à balayure, ancêtre du vide-ordure. Enfin, Godin amène l'eau courante au Familistère. À chaque étage, il place une fontaine et des cabinets d'aisance, ce qui rend le Familistère plus confortable que la plupart des immeubles bourgeois au même moment à Paris. Le confort au Familistère est placé sous le signe de l'abondance. À la différence de l'habitat individuel, où il faut sans cesse épargner, ici, tout doit être largement conçu et largement approprié, explique Godin. Le palais social ne peut mettre de parcimonie à distribuer les dons gratuits que la nature fait à l'homme. Et ce que la nature ne produit pas, Godin s'ingénie à le fournir par ses propres moyens. Il récupère l'eau chaude de l'usine pour alimenter le bâtiment du lavoir où se trouvent aussi des cabines de bain et, comble du luxe, une piscine. Air, espace, lumière. Godin définit tous ses besoins humains pour son architecture. Un siècle plus tard, Le Corbusier reprendra les mêmes thèmes pour sa cité radieuse, unité d'habitation collective qui rappelle en tout point les principes définis par Godin et Fourier. Un an avant sa mort, Godin construit un autre familistère pour son usine de Laeken, près de Bruxelles. Coincé sur un terrain trop étroit, l'unique bâtiment de Laeken n'aura jamais l'envergure du familistère de Guise. Godin meurt en 1888. Il lègue son usine, les habitations et les équipements du familistère à l'association qu'il a créée pour lui succéder et qui fonctionne sur le principe d'une coopérative ouvrière. L'association durera près d'un siècle. En 1968, la société du Familistère est rachetée par un groupe industriel qui garde l'usine et liquide le reste. Les équipements sont repris par la ville ou l'État. Les appartements sont mis en vente. Le Familistère est devenu une habitation comme les autres avec des locataires et des propriétaires. La dernière assemblée de copropriétaires a demandé la fermeture des passages. On peut bâtir des plans dans des livres, mais quand il s'agit de mettre ces plans en pratique,
C'est avec les volontés contradictoires des hommes qu'il faut compter. Des échecs ont suivi de si près les rares tentatives de réforme sociale qu'on en est arrivé à traiter de rêveurs les hommes qui les préconisent. On m'applique peut-être le même terme, mais il faut bien constater que j'ai été jusqu'ici l'homme des faits. J'ai traduit mes pensées en actes et je leur ai donné l'organisation et la vie avant de les exposer en théorie. Il n'est donc pas possible de dire que je suis resté dans le domaine des utopies. Et maintenant, imaginez des cours, des passages, des galeries, tout ce qu'il faut pour se poursuivre, se perdre, se retrouver. Les enfants avaient fait leur territoire de cet espace original, qui, malgré sa simplicité et ses travers, tenait tout de même du labyrinthe cher à Fourier. Une architecture qui se passait d'architecte. Aujourd'hui, c'est le familistère qui fait rêver les architectes. Peut-être parce qu'ici, l'architecture pouvait changer le monde.